Et salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans The Legend of Zelda For Some Adventures. C'est parti pour la Tour des Vents. Des slimes. Hein? Vraiment. Ça c'est fait. Ah oui, d'accord, ok. C'est comme ça, donc. Un lance-pierre pour les graines Maja. Ça repop, très bien. Ah bah d'accord. Ok, sûrement un autre passage quelque part. Genre là. Une petite clé. C'est juste pour ça, vraiment? Ok. Très bien. Dibidibidibidi. Premier coup, hein. Avouez que c'est du génie, ou presque. Ok, j'imagine qu'on va nous filer des bottes de Pégase ou un truc dans le style. Ok. J'ai pas tout là, il me manque quelque chose. Il me manque une info visiblement. D'accord. Ah.
du génie. Maintenant, on a la plume. Ok. Maintenant, donc, on peut redescendre. Donc, monter, ça sert à rien, on est bloqué. Par contre, là, on peut redescendre. Et sauter. Alors déjà, ici, qu'est-ce qu'il y a? Un coffre. Avec un cœur? Non. Pour l'instant, il n'y avait pas beaucoup d'ennemis, hein. La baguette de feu. Et là, on va pouvoir faire fondre les glaçons. Quand on aura passé cette porte. Ici. Alors. D'accord, on va peut-être plutôt aller d'abord chercher le trésor. Un nouveau cœur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Très bien. Peut-être mis la manette trop près du micro, je suis en train de m'en rendre compte. Mais tant pis. Ok, donc c'est forcément ici. D'accord, mais pourquoi la plume de roc maintenant? On peut pas le faire. Ah, ça, ça fonctionne, d'accord. C'est craqué. On donne une plume. L'anneau, le bracelet bleu pour... ok, pour moins prendre cher. C'est le wafer de Isaac. Évidemment, c'est de l'autre côté. Un deuxième anneau bleu? Est-ce que ça se cumule? Non. On peut pas avoir dégâts subis 0. Malheureusement. Ça, c'est le rouge alors. Non, c'est encore un cœur. Eh ben dis donc. Très bien, hein. On va pas se plaindre. Faut jamais se plaindre. Dans Zelda, faut pas se plaindre. C'est interdit.
Ok, ça c'est un boss, non? Ça avait une tête de boss quand même. Ok. C'est pas du tout une clé de boss. La porte ressemblait un peu à une porte de boss, mais j'ai pas fait gaffe aux autres portes en fait. Ah putain, à chaque fois ce pot de merde. Ici, ici. On va tout fouiller, hein, je m'en fous. Yes! Ça, c'était un vrai. Faire fondre cette grenouille dégueulasse. Ouais, ça va être un niveau rapide, ça. On est où? Ah oui, putain. Bah, écoutez, hein. Ça m'arrange, hein. Ça m'arrange, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Pas si rapide que ça en vrai. Essaie de pas tomber, merci. C'est pas encore fini, hein. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ah, parce que je me dis c'est rapide parce qu'on a déjà le power-up à fond de, au niveau des dégâts. Et ça veut rien dire. Presque. C'est dégueulasse ça.
Ça servait à rien. Enfin, pardon, mais ça sert à rien. Pas pour esquiver les... Pas pour esquiver de la bombe, mais... Mais sinon, je vois pas. Encore un cœur. D'accord. Casse-toi! Tellement trop de gemmes de force. D'accord. Évidemment qu'on casse tous les pots, on est dans Zelda quand même. Hein. C'est un peu obligatoire. Hein. Si on cassait pas dans les pots dans Zelda. Pardon. Regardez le truc de feu. Hein. Oh là là. C'est un peu stylé, mais c'est un peu flippant. Ok.
Je sais pas quelle était cette bestiole, mais... Ah, c'était son... d'accord. Ici. Mais c'est pas un Zora en plus ça? KPV quand même, hein. Et voilà. Non, ça rame pas. Voilà, notre compteur de gemmes de force, il a explosé. Hein. 3854, c'est pas mal. Hein. C'est le dernier chevalier, non? Il nous en manquait un? Je sais plus. Ah, c'est Zelda! Non, c'est Sailor Moon, ça, je reconnais. Hein. Link, c'est toi, n'est-ce pas, Link? Je savais que tu me sauverais. Je savais que tu viendrais armé de l'épée de 4. Mais je ne savais pas que tu serais 4. Grâce à ton intervention, les ténèbres s'ouvrent. Les jeunes filles et moi prierons pour empêcher les ténèbres de reviendre. Mais la contrée des cieux est envahie par les monstres de Vahati. Il faut lever les ténèbres de la contrée des cieux pour rétablir la paix. Eh ben ok. Je suis désolé, mais là c'est Sailor Moon. C'est Sailor Moon avec une robe. Contre les cieux, oui, on va sauvegarder évidemment. Des bisous, à la prochaine. Salut, je tourne ça à 23h30. LOL, à plus tard.